Get bien zot animo. Bon compte zot animo. Bonjour les amis, bienvenue dans notre émission Animalia, les amis, nos animaux. Comme vous pouvez constater, nous un petit peu dans des hauts aujourd'hui, malgré le soleil, puis fait un petit peu frais, c'est l'hiver, n'est-ce pas, Del? Alors, pour nous accompagner au cours de ces émissions, en fait, ces émissions-là, nous donnent le tournure. Je suis capable de constater qu'à Maurice, il y a beaucoup de chiens errants, et il y a beaucoup de chiens qui abandonnés malheureusement. Et heureusement qu'il y a ben du monde comme Madame Marlène qui a un bon léquier qui occupe ben toutou. Et au cours de l'émission, nous pourrons apprendre ce qu'il fait et qui, bien sûr, le message de cette émission, c'est encourage ben du monde pour pas abandonner les chiens, mais prends soin plutôt. Pour nous en dire plus, Del, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous donne le cadre, nous donne un autre aspect de l'émission aujourd'hui. Bonjour. Alors, je vais laisser la parole pour capable expliquer mes camarades un petit peu plus qui nous peut montrer ce qu'ils ont dit. Donc, bonjour. Bonjour, Madame Constantin. Bonjour. Et bonjour à vous tous. Donc, d'abord, ça fait un immense plaisir de me retrouver après quelques semaines d'interruption. Donc, confinement oblige. Donc, nous, l'émission peut recommencer aujourd'hui. Nous peut débuter avec une séquence coup de cœur, une séquence émotion. Donc, effectivement, comment nous. Toutes les années de l'émission, nous causons beaucoup la situation chien errant à Maurice. Nous avons un immense problème de chien errant à Maurice. Donc, non seulement nous causons, quand nous causons chien errant, nous causons maltraitance animale, parce que même si un dimoun ne peut pas battre l'animal, le chien, il ne peut pas gagner manger comme besoin, il peut avoir une place pour dormir comme besoin, souvent il peut taper avec l'auto. Donc, c'est de la maltraitance animale, donc par extension. Donc, nous avons un immense problème de ce côté-là. Et deuxième, il fait ban les autres problèmes. Sécurité routière, par exemple. Madame Constantin, vous dire nous combien d'accidents est arrivé à cause de chiens errants dans le quartier. Donc, toutes ces choses-là qui font que le problème des chiens errants à Maurice peut faire c'est vraiment conséquent. Nous avons beaucoup d'ONG qui travaillent, nous avons le gouvernement, le ministre de l'Agro qui est aussi au courant de ce problème qui permet de mettre des choses en place avec des organismes qui visent. Seulement, encore une fois, moi, I believe. Qui autorité pas capable faire non rien si le citoyen lui n'est pas impliqué. Donc l'implication citoyenne est primordiale. Et pour moi, quand Madame Constantin pendant le confinement, le dernier confinement, il a d'abord contacté moi par mail pour expliquer moi le problème qu'il peut vivre. Pour moi, c'est l'exemple citoyen par excellence. Pourquoi? C'est une jolie petite dame toute frêle. Donc mais encore une fois avec un courage monstre. Elle n'a pas attendu que secours vini, elle s'est métamorphosée en secours. Donc, c'est-à-dire qu'il trouvait qu'il y avait un terrain vague vis-à-vis de lui, que nous trouvons actuellement. Et il nous raconte ces histoires plus en détail, mais il trouve qu'il y a une population de chiens errants. Depuis plusieurs mois, il nourrit sa bandichana tous les jours. Il donne un nom parce qu'il dit qu'il est plus facile pour traîner comme ça. Et il peut même rôder ban moyen pour faire stériliser, adopter, etc. Et il trouvait qu'il y a la pluie soleil, il fait un abri de fortune qu'il ne peut trouver dans l'émission. Mais pour moi, encore une fois, c'est une personne. Donc c'est une personne, homme, femme, respective, va dans un matin. Mais il y en a un dimoun qui peut faire autant. Imaginez si nous avons 100 000 dimoun comme ça. Le problème des chiens errants à Maurice, je ne vais pas dire que tu peux résoudre, mais tu peux venir bien, bien moins. Sur ce, je pense que la meilleure du monde qui est capable d'expliquer nous ce qu'il peut faire, c'est Mme Constantin. Donc, Mme Constantin, merci de nous accueillir chez vous. Tout d'abord, est-ce qu'il est capable d'expliquer nous comment ça, l'amour pour vraiment occuper sa ben toutou là, il commence à venir? Moi, j'ai toujours grandi avec les chiens. J'ai un amour des animaux, tout aussi bien tous ceux qui sont en détresse. Que ce soit un être humain, que ce soit un enfant, que ce soit un chien, tout le monde a besoin de manger, tout le monde a besoin d'amour, tout le monde a besoin de tendresse. Donc quand on a un chien chez soi, on le traite autrement que quand il est laissé dans la nature. Et puis quand la chienne atteint sa maturité, qu'elle devient adulte, c'est un besoin physiologique, elle a ses chaleurs, et tous les chiens la poursuivent, puis quand ils ont fini de faire leurs petites affaires, ils disparaissent. Donc, j'ai demandé à plusieurs organismes s'ils pouvaient au moins les adopter. Moi, j'ai un chat qui reçoit tous ses soins chez Animalia d'ailleurs.
et qui est suivi, je n'ai plus et je ne peux pas adopter ces chiens. Bien sûr. Donc j'étais persuadée que des refuges ou quelqu'un allait les adopter, mais malheureusement, il y a eu très peu de personnes. Et depuis, j'apprends que les refuges sont remplis. Sont remplis. Il y a même des personnes qui n'ont pas de refuge et qui les ont pris chez eux. Ils sont là en salle de bain, dans la baignoire, dans le truc. Ça ne peut pas continuer comme ça. Quelque chose doit être fait. Sinon, il y aurait une prolifération des chiens. Et Madame Constantin, vous avez partagé tout à l'heure que vous n'étiez pas à Maurice pendant plusieurs années. Que le taux de chiens errants à Maurice est beaucoup plus élevé que ce que vous avez vu à l'étranger? En France et en Angleterre, tous les chiens sont récupérés dans les refuges. Il y a une bonne... Il n'y a aucun chien errant sur la route. D'accord. Enfin, du temps où j'ai vécu, je n'ai jamais vu un chien errant. Donc je suppose avec cet esprit que j'ai pensé qu'ils allaient être adoptés. Mais je n'aurais pas commencé. Mais qu'est-ce qui se serait passé si je ne leur avais pas donné à manger? Tout le monde a besoin de manger, même un chien. Donc... ça devient un problème pour tout le monde. Et comme c'est une route très passante, une intersection qui est très passante, quand une chienne est en chaleur et que les mâles les poursuivent, il y a eu des accidents, il y aura des accidents. Et ça va continuer. Et en ce moment, il fait froid, c'est l'hiver. Est-ce qu'il y a de la nourriture particulière que vous offrez aux chiens ou vous les donnez un à petit manger? Peu plus que d'habitude. Ils mangent des croquettes le matin, du riz. Heureusement, j'ai des amis qui me prépare la nourriture et qui viennent déposer chez moi. Donc, je peux les nourrir. Mais on va dire un grand merci à ces amis-là pour avoir un cœur comme oui. vous. Ça, je n'oublie pas. Il y en a même qui sont venus déposer deux chiots. Il y a une qui l'a pris, qui l'a adopté. Donc, c'est sympa. Mais je ne me débarrasse pas de tout d'un seul coup. Donc, je fais un appel à ceux qui n'ont pas de chien et qui voudraient en adopter. Venez me voir. De contacter Animalia et Animalia va faire tout le nécessaire pour que ces gens-là puissent être en contact avec vous. Et aussi, quel est le message que vous souhaitez passer aux Mauriciens qui nous regardent, surtout non seulement ceux qui veulent adopter un chien, mais le regard sur les chiens. Quel est le message que vous voulez faire passer? C'est mauvais en ce moment parce que je pense que les gens sont préoccupés avec le problème du confinement. Certains ont perdu leur emploi, ils n'ont pas l'argent pour nourrir les chiens. Ce n'est pas le problème du moment. Mais je pense que ce sont des bons chiens de garde. Ils peuvent offrir beaucoup. Donc le message que je fais, adopter des chiens. Éviter la prolifération. Oui, ça c'est sûr. Est-ce que dans un moment, vous pouvez nous montrer un petit peu le petit abri que vous avez fait pour qu'ils puissent venir se cacher pour être au chaud? Est-ce que c'est suffisant pour des chiens ou vous avez fait qu'un seul? Mais à l'époque, ils étaient petits. Là, il va falloir que j'élargisse, que je rehausse parce qu'ils sont devenus grands. Ils sont près de 6 mois maintenant. Et vous avez construit ce... Avec l'aide de quelqu'un, quand même. Pas toute seule. Pas toute seule. Un monsieur qui vient me donner un coup de main de temps en temps, qui a des chiens, donc il a su ce qu'il fallait faire. Vous les avez aussi baptisés? Et je donne un nom à tous les chiens, ce qui est plus facile quand je les appelle ou pour leur donner à manger, ou pour les contrôler, parce que je ne veux pas qu'ils restent sur la route. Et quand il y a des chiens sur la route, les gens passent, ils klaxonnent. Mais moi, ça voudrait demander, Madame Constantin, est-ce que vous pensez que les Mauriciens, peut-être, ils ont, quand on dit, un manque d'éducation envers les chiens? C'est pas parce qu'ils peut-être pas connaissent. C'est la façon dont une fille est élevée. Qu'ils n'ont pas vraiment un cœur, peut-être. Je ne dis pas tout le monde, je connais beaucoup de gens qui aiment les chiens, qui aiment les animaux, mais peut-être c'est la façon de voir que voilà, c'est un chien, on ne va pas se casser la tête. Est-ce que vous partagez le même avis? Non, moi je dirais pas non. Mais certains, malheureusement, considèrent des chiens comme pour garder la maison. Ils ne savent pas donner, s'en occuper, ils ne savent pas. Un animal a besoin d'amour, comme un être humain a besoin d'amour. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, je crois avoir un animal, c'est important. Justement, pendant le confinement, avoir des animaux. J'ai entendu 2 ou 3 personnes dire « Mon cause avec mon toutou, parce que mon tout seul, contre moi,
c'est qu'ils sont vieux. C'est une compagnie très agréable d'avoir un animal. Oui, c'est sûr. C'est un ami plus fidèle de l'homme, un chien. Un chien est fidèle. C'est ce que j'aime chez un chien. Et est-ce que ces chiens ont été fidèles avec vous jusqu'à l'heure? Ah oui. Ah oui. Par contre, ce que je n'aime pas chez les chiens, c'est leur aboiement. Ça, c'est sûr, surtout quand on dort la nuit. Ça dérange. Ouais. Donc, chez nous, nous sommes tous âgés. Et il y a des personnes âgées. Ils veulent dormir la nuit. Hein. Est-ce que les voisins sont OK? Est-ce que vous avez ces chiens-là ici, chez vous, je veux dire, dans la cour ici? Ben, ils ne se plaignent pas parce que je ne les emmène pas chez moi. Je traverse la route. Donc, s'il y a des chiens qui aboient, ce n'est pas de la faute. C'est un besoin physiologique qu'une chienne soit en chalet, qu'il y ait des mâles qui courent derrière eux. On n'y peut rien. Je crois que tous les Mauriciens ont accepté ça. Mm-hmm. Mais quand vous êtes au volant, puisque je suis conducteur, pour éviter un animal, c'est très compliqué. Juste une question d'elle. Si une personne comme Madame Constantin se retrouve sans permis pour avoir ces chiens-là, est-ce que ce sera difficile pour eux d'emmener le chien chez vétérinaire pour le faire soigner si au cas ils sont malades? Non. L'accès aux soins est ouvert à tous les animaux. On ne demande pas de permis, on ne demande pas de preuve, même de preuve de ownership, on ne demande pas. Donc si quelqu'un amène un chien malade, pas juste Animalia, mais n'importe quel docteur vétérinaire, n'importe quelle clinique vétérinaire est tenu d'apporter les soins qu'il faut à l'animal. Par contre, effectivement, on a beaucoup de refuges maintenant, Madame Constantin a fait bien de soulever ça, qui sont overbook. C'est-à-dire que, par exemple, on a Priti Sachi, qui est une des habituées de l'émission. Elle a un refuge qui est, on va dire, fait pour 200 chiens. Elle a 400 chiens. Donc, tous les refuges de Maurice sont hyperbook, ils sont doublés de capacité et je pense qu'il est grand temps qu'on commence à faire ce qu'on appelle des stérilisations de masse. Dans une des émissions futures, je vais présenter à nos amis Manon Luigi qui a lancé, encore une fois pour moi, c'est très important cette mobilisation citoyenne. C'est-à-dire que nous pas attendre qui nous gagne tout là au plateau, là nous commence le travail. Chacun dire comme ça, ok, j'ai de la bonne volonté, moi pour faire ce qui m'est capable, et c'est la seule façon qui nous peut aller. Donc Manon Luigi, jeune fille, talentueuse fille, je crois qu'elle est psychologue, elle a lancé un mouvement à Maurice qui s'appelle Stérilise nos animaux. Donc là, elle va lancer une campagne de billboard et elle, avec ses petites épaules toutes frêles, paiera du sponsor, peut faire campagne billboard. Elle a contacté toutes les cliniques pour avoir des prix au rabais. Elle fait des vouchers et nous pour recevoir Manon dans une bonne émission qui peut venir pour y expliquer nous ce projet. Je suis capable de constater, mes camarades, nous avons la petite béquille qui est dans un état qui n'est pas trop correct. Et d'elle, ça fait combien de temps qui béquille là en ce moment et qui ne finit arrive là? Donc, je vous laisse, docteur Serge, explique-nous bien en détail qui n'arrive là, mais nous parlons au PL, on les deux hanches aujourd'hui. Moi, ce qui me voulait dire, c'est que, effectivement, l'émission peut reprendre après quelques temps. Et il y a beaucoup de choses qui se passent chez Animalia. D'abord, on a un nouveau directeur de clinique qui est le docteur Serge Bonnier, qui va peut-être se présenter, c'est un grand timide, mais il va se présenter à l'antenne. Et c'est un spécialiste de tout ce qui est opération orthopédique. Donc, nous vous présentons des chiens qui, dans n'importe qui les autres cas de figure, nous tient pour endormis, c'est-à-dire tous les autres, parce qu'ils partent dans la solution pour les autres. Et il y a un premier que Cindy vous présente, qui s'appelle Zéna. Zéna arrive là avec une moelle épinière cassée. Deuxième chose, ça aussi pareil, je crois que c'est Malika qui récupère sa chienne. Nous voulons les autres raconter un petit peu après Dr Serge. Et encore une fois, c'était un chien qui normalement aurait dû être euthanasié. Mais
pareillement humain peut faire un progrès extraordinaire en médecine, ben Animalia, ce but, c'est aussi de faire la même haute technologie médecine available pour nos bons animaux. Donc aujourd'hui, là, l'opération peut dérouler pour Becky. Pour dire un petit peu plus, nous avons le docteur qui peut donner plus de détails. Bonjour. Bonjour. Serge Monnier, vétérinaire depuis 30 ans. On m'a amené Becky, en fait, cette petite chienne qui ne marchait plus. Et du coup, au niveau du diagnostic, on s'est rendu compte qu'elle avait une luxation bilatérale des hanches. Et c'est ça qui l'empêche de marcher, en fait. Et l'intervention d'aujourd'hui va consister à enlever les têtes de fémur pour lui permettre d'avoir à nouveau de la mobilité au niveau des hanches. Le plus important, par contre, ça va être de faire une bonne rééducation derrière, parce que ça représente la moitié du travail. C'est très important de pouvoir ensuite l'emmener nager dans la mer, la remuscler, lui permettre d'avoir à nouveau une mobilité au niveau de ses hanches. Et elle pourra remarcher après avoir fait tout ce travail-là, qui va être prendre quelques semaines et quelques mois, grâce à ces demoiselles qui sont là pour s'occuper d'elle après. On a été alerté par une de nos amies qui a dit « Ouais, là, il y a un chien qui est vraiment en mauvais état. Il faut venir le récupérer. » Et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, elle est chez nous, à Indies World. On s'en occupe. Et depuis 2 semaines, il y a déjà des grands progrès. Mais simplement, au niveau de la peau, il y a les poils qui repoussent. Elle se sent bien à la maison chez nous. Voilà. Et s'il y a quelqu'un qui veut vous contacter par rapport à un chien, ils vont devoir faire quoi? Ben, on a Facebook, Instagram, site internet, 15 numéros de téléphone. Donc, ils peuvent nous contacter par ces biais-là. Et bien sûr, chers amis, comme on peut dire, elle est là, ça, l'émission-là, nous peut faire appel à Ben Dimoun qui vraiment peut aborder Ben Lichien, comme Madame Constantine finit dire nous au cours de l'émission-là, l'équipe 10 Lichien qui finit abandonner. Vous êtes capable de contacter Ben Mademoiselle. Je peux bien sûr donner Ben advice plutôt, Ben information qui besoin fait si je peux pas capable look after Lichien. Pour vous parler donc de Xena qui s'est fait opérer il y a une quinzaine de jours, c'était une petite chienne qui avait une paralysie complète des pattes arrière avec une luxation de la colonne vertébrale. Donc en fait, les vertèbres étaient comme ça, en fait, l'une au-dessus de l'autre, avec un décalage. Et dans mon expérience, quand j'étais plus jeune, en fait, on dit toujours que ce type de lésion est irréversible. Et dans mon expérience, j'ai déjà eu ce cas-là il y a au début de ma carrière. Et en fait, le chien a remarché au bout de 3 mois. On a remis en place les vertèbres avec des plaques et le chien a remarché au bout de 3 mois. Donc c'était quand même assez exceptionnel. Et je me suis dit, les gens étaient très motivés pour ça. Et je me suis dit, j'ai pas le droit de décider à la place des gens. Ben, merci beaucoup. Et là, nous parlons de petit toutou. Nous avons dit quel état il était après l'opération. Alors là, nous sommes à côté de la petite Zéna. Zéna que tu fais sur l'opération il y a 2 semaines de cela. Voilà, c'est une chienne que Cindy avait récupérée. Et normalement, un chien avec colonne vertébrale cassée, c'est un chien qui est bizarre endormi. C'est que tout bon vétérinaire d'ailleurs, tu dis. Sauf que Cindy, comme tant d'autres rescueurs, est animée d'une telle passion qu'ils n'ont pas allé prendre une décision aussi drastique avant vraiment être sûr qu'il n'y a pas d'autre moyen. Donc Cindy a présenté Zéna d'abord à la radio et ensuite Zéna au docteur Serge. Et ensuite, ben, on a fait quelque chose d'exceptionnel, pas moi, bien sûr, l'équipe orthopédique d'Animalia a fait une opération exceptionnelle, mais ça, the best person to talk about it, Cindy. Donc, moi, j'invite Cindy à raconter l'histoire de Zéna. Donc, elle a eu un accident. Apparemment, d'après ce que les voisins m'ont dit, elle est restée 5 jours dans un canal, sans que personne l'aide, jusqu'à un jour où une dame m'a appelé et on l'a sortie de là-bas. C'est vrai que quand on a fait la radio, on était tous choqués parce que moi, personnellement, je n'avais jamais vu ça. La colonne est vraiment cassée en deux. Et donc, quand on a vu Dr Serge, je lui ai expliqué qu'elle avait des sensations dans les deux pattes. Et ben, il a constaté par lui-même qu'en effet, elle avait des sensations dans les pattes. Donc, c'est un petit miracle parce que ça ne s'explique pas. Donc, il a remis la colonne vertébrale en place. On a la radio d'ailleurs avec la colonne qui est bien remise. Et puis là, ben, le plus gros travail, c'est la rééducation. Cette fois-ci, je suis à côté de Maria. Maria, bonjour. Bonjour. Alors raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec ce petit chat? Alors, on l'a trouvé dans un état assez critique et elle a été paralysée. Donc on pense qu'une motocyclette a dû passer sur elle.
Donc, en ce moment, on trouve énormément d'accidents sur nos routes. Ça a augmenté depuis à peu près un mois. On voit de plus en plus d'accidents. Donc, on fait un appel aux automobilistes de faire très attention quand ils conduisent et de rouler un peu plus lentement. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est fait... C'est des points de suture, en fait, parce qu'elle a eu les parties privées et cette partie ici complètement explosée. Donc, ça lui a pris du temps avant de pouvoir partir à la selle correctement et se débrouiller. Donc, par contre, là, depuis... Donc, ça a commencé par la queue, qui a commencé à bouger un petit peu, puis les petites papates, et maintenant, elle marche. Et elle ne veut plus trop qu'on la prenne. Elle veut se débrouiller toute seule, maintenant. Ouais, elle est grande. Donc, moi, je voudrais nous guetter in this world, Tadelas, Malika, Cindy, là, nous pouvons guetter Ingrid ou Maria. Et pour moi, c'est que je voudrais dire un grand bravo. C'est sa résilience. Le ministre des Finances incluse beaucoup de résilience dans le budget. Résilience, ban NGO, ban rescue. Donc, parce qu'effectivement, quand nous pouvons guetter sa détermination que vous êtes là pour être la guerre pour chaque vie animale. Quand elle dit, je veux dire, nous finissons de mes animaux, là, tracas fini. Moi, je connais combien de temps Maria occupe ça là, donc ça fait longtemps. Elle peut poster une vidéo sur Facebook. Cindy et Malika, ça fait encore, moi, je connais combien de temps. Donc, c'était là un gift from God pour ne pas abandonner. Maria est un peu timide, mais moi, je voudrais qu'il peut faire un travail énorme avec quasiment pas de moyens. Tu as combien de chats en ce moment? En ce moment, j'ai 21 chats à l'intérieur de la maison et j'en ai plusieurs à l'extérieur. Donc, il me faut absolument avoir des aides pour pouvoir les soigner, les faire traiter, les faire vacciner. Deworm, même les produits nettoyants, on ne réalise pas, mais c'est des petits coups tous les jours qui deviennent énormes à la fin. Donc là, en ce moment, j'ai beaucoup d'aides par rapport à ça. Alors, je fais un appel à l'aide. J'ai 21 chats à la maison dont je m'en occupe et plusieurs à l'extérieur que je nourris. Donc, au fait, les gens ne réalisent pas, mais c'est des petites choses tous les jours. Par exemple, les dewormers, les antipuces, les nettoyants. C'est des petits coups qui, à la fin, font gros. J'ai énormément de dettes en ce moment chez les vétérinaires. Donc là, ce que je demande, c'est de l'aide pour pouvoir payer mes dettes chez les vétérinaires pour les animaux et aussi pour continuer les traitements, pour continuer à ramasser les strays et les soigner, pour trouver des bonnes maisons, etc. Donc j'ai besoin de faire des vaccins, vous voyez, des stérilisations et pour ça il me faut de l'aide. Donc je demande aux gens de ne pas me donner l'argent directement en main, mais s'ils peuvent faire des versements directement chez le vétérinaire avec mon nom comme référence, et ça pourrait vraiment m'aider au fait. Alors voilà, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. Hein, pour pouvoir aider cette demoiselle avec un grand cœur qui peut aider ben animaux. Et surtout le message est là, ben automobiliste, fais bien attention sur la route parce qu'il nous parle retrouve ben animaux ici. Comment je peux trouver ce pauvre animal innocent qui est un petit gout qui n'arrive lui, lui dans un état pas correct, sur la santé pas bon du tout. Et voilà, il y a ben qui heureusement qu'il y a ben qui ken comme Maria qui peut occuper sa ben animaux là, n'est-ce pas? Tout à fait. Au fait, quand nous guettons les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui lancent l'alerte. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a un chien écrasé là-bas, il y a un chien qui tape le tout là-bas, il y a un chien qui nous était qui peut pourri avec Moutouk. C'est bien de donner l'alerte. Mais seulement, encore une fois, nous réalisons qu'il y a des gens comme Priti Sachi, comme Cindy, Malika, comme Maria ici, qui ont besoin de déranger à la route de ces animaux-là. Donc, c'est beaucoup plus facile de donner l'alerte, pour ne pas dire que c'est mauvais, mais nous avons besoin aussi de connaître que ces gens-là, quand ils récupèrent ça, les chiens qui nous peuvent trouver une tape accident-là, ils ont besoin de nicotine vétérinaire, il y a un frais, ils ont besoin d'héberger ça, les chiens, quand ils trouvent une adoption ou bien le chat, et tout ça, ça coûte énormément. Donc, moi, je vous dis, moi, que nous, les rescueurs, méritent tout nos supports. Right? Donc, Maria Padarat est dans sa page Facebook, In This World est dans sa page Facebook. N'hésitez pas, surtout dans des temps pareils comme ça, n'hésitez pas à venir en aide aux NGO, aux rescueuses. D'accord, le message est fait passer. Pareil, comme Aline Finzette, elle est là, si pendant le confinement, je peux trouver ça difficile pour occuper les animaux, je ne peux pas connaître qui peut faire ces animaux-là. Nous ne conseillons pas mes animaux à la rue. Mais je suis capable de contacter Sabine Kiken là, le page Facebook, voilà, pour que Sabine Kiken là, quand elle vienne aider aussi, hein, à trouver une famille d'adoption. Capable d'avoir une famille, peut-être une famille dans l'île Maurice qui peut adopter Sabine animaux là. Donc, au lieu d'abandonner vos animaux, contactez ces organisations qui sont capables de trouver une famille d'adoption.
Alors, je ne peux pas dire que ça, l'émission là, aujourd'hui, nous finissons à apprendre beaucoup de choses. Nous finissons à trouver ben rescueuses, ben kiken, qui vraiment est dans l'équipe pour ben animaux. Madame Constantin, par exemple, nous trouvons Maria, nous trouvons les autres personnes, les autres ONG qui sont capables de contacter. Et surtout, le message reste toujours à tout ben automobiliste. Faire bien attention à la route parce qu'ils nous parlent qu'ils ne blessent aucun animaux parce que ben animaux là pourraient trouver dans une situation qui n'est pas facile, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Et moi, si maintenant un cri de cœur pour terminer l'émission, je peux dire aider ban rescueur, aide ban NGO, vous comptez les autres. Merci beaucoup. Et voilà, le message est là. Sur ce, je vous donne rendez-vous très prochainement à l'Océan Créole. Et je vous souhaite passer une bonne et agréable soirée à l'Obenchen MBC. Bye bye! Get bien zot animo. Bon, on compte zot animo.